pas de soucis. Oui. C'est le petit qui doit. C'est le produit qui passe. Oui. Il donne la. Non, non, non. Tu prends la corde droit. La corde droit. Celle-là. Oui. Pour moi, l'auto a dit. Comme ça. Hop. François, je te cherche partout, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, je crée. Mais qu'est-ce que tu crées? Je suis en train de faire un pagne. Un pagne? Oui, un pagne. Un pagne traditionnel. Ah, ok. Hein. Ok. Je vais t'expliquer ce que c'est. D'accord, ok. Tout commence par la mise en bobine du fil. Nous ferons de grandes bobines en bois pour faire la trame du pagne et des plus petites bobines qui seront utilisées dans les navettes pour créer le motif. Tu vois ce métier à tisser par exemple, exclusivement utilisé par les femmes, leur permet de réaliser un pagne en deux bandes, ça représente à peu près 2 jours de travail. A l'inverse, ce type de métier à tisser seront plus utilisés par les hommes. Cossi. Enchanté. Merci. Alors voilà, je te présente Monsieur Jacques, il est en train de réaliser un pagne traditionnel grâce aux bandes qu'il aura achetées au tisserand. Il faut savoir que dans une ville comme Azaoun, il ne sont que 2 couturiers à savoir faire les pagnes traditionnels. Moi je suis prête. À quand la collection Shuffle?